et de 5. Je ne sais pas si on s'approche de la fin, mais ce nouveau cristal a levé le voile sur quelques souvenirs supplémentaires. Je n'ai donc pas eu à me tourner vers ma famille pour en savoir plus sur notre foyer suivant. Et c'est une chance car je pense qu'ils commencent à se poser des questions sur mon état de santé, et je ne voudrais pas avoir à leur mentir. Alors je vous propose qu'on se penche sur la récupération du prochain cristal sans plus tarder. Une fois n'est pas coutume, nous avons dû déménager l'année suivante, direction la Guyane. Nous n'y sommes pas restés longtemps car nous avions du mal à nous acclimater à la température, et ce n'était pas des plus agréables de se réveiller tous les matins avec l'odeur du restaurant au rez-de-chaussée. Pour autant, sur le plan architectural, il me semble que j'avais trouvé la maison vraiment sympathique. Et toutes ses couleurs. En fait, il s'agissait plus d'un appartement sur 2 étages que d'une maison, puisque le restaurant ne nous appartenait pas. Nous disposions de 2 chambres, d'un bureau et d'une chambre d'amis. Nous avions chacun notre salle de bain, et à nouveau 2 toilettes séparées. Dans la grande pièce centrale se trouvaient la cuisine, la salle à manger et le salon. Mon père m'a assuré que j'avais une véritable passion pour le rouge à cette époque. J'ai un peu de mal à le croire, mais en même temps, est-ce que je peux encore me fier à mes croyances avec autant de souvenirs manquants? Je l'ignore, mais je compte sur vous encore une fois. Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour la 6e étape du challenge, et cette fois-ci, direction la Guyane. Je vais vous demander de faire d'une pierre 2 coups cette fois-ci. Pour m'être prêté à l'exercice, je sais que ça risque de ne pas être une partie de plaisir, mais j'ai foi en vos talents de constructeur, constructrice. Je sais que vous allez me faire des prodiges, et ne vous en faites pas. Je serai un peu plus soft sur certains éléments d'architecture, car je sais que ça va être compliqué avec uniquement le jeu de base par exemple. En revanche, pour ce qui est de la demande liée au souvenir des heures, je serai intransigeante, comme d'habitude. Cette fois-ci, il devra y avoir obligatoirement un bâtiment de plusieurs étages, avec au rez-de-chaussée un restaurant, qui ne leur appartiendra pas, au premier et au second, l'appartement des heures et sa famille. Je vous laisse gérer les éléments de la partie restaurant. Par contre, pour l'habitation, je vais vous demander 3 chambres, dont une chambre d'amis, un bureau, 2 salles de bain, qui ne sont pas forcément énormes, 2 toilettes séparées, un espace cuisine, salle à manger et salon. D'ailleurs, l'entrée se fera directement dans le salon, et il faudra également une terrasse. Vous l'avez compris, une partie de l'appartement sera sous pente, mais je vais vous rajouter une petite contrainte supplémentaire. Vous ne pourrez pas agrandir ou rétrécir les objets utilisés. Oui, je sais, vous me détestez. Mais il faut bien que je diversifie un peu, sinon vous allez vous lasser. En ce qui concerne la taille du terrain, ce sera du 30 par 20 maximum. Après, peu importe l'orientation, mais plus grand, ce sera nope. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse donc avec le foyer Nash pour qu'il puisse répondre à la série de questions que vous leur avez posées via le Discord. Bonjour, bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui en présence du foyer Nash. Vous les suivez maintenant depuis plusieurs mois, mais il semble avoir encore quelques secrets pour vous. Donc, pour lever le voile sur certains aspects de leur personnalité, ils ont accepté de se prêter au jeu d'une FAQ. Le principe est simple, vous leur avez posé des questions, et ils sont là pour y répondre, et pas question de fuir. N'est-ce pas Nathan? Il a essayé de se fondre dans le décor pour ne pas venir sur le plateau, mais c'était peine perdue. Allez, c'est parti! Est-ce que la famille Nash aime les nains de jardin? On se demande bien pourquoi les gens veulent savoir ça. Alors, verdict? Je n'ai rien contre tant qu'ils ont du style. J'adore ce genre de petites décorations un peu ridicules. En plus, au cours de nos voyages, on en a croisé plein. De quoi faire une véritable collection. Mais le souci, c'est qu'il faut pouvoir les caser, et là, c'est pas évident. À l'aide, je déteste ça, c'est flippant comme truc. En plus, je suis sûre d'en avoir vu bouger une fois. Mes parents m'ont prise pour une dingue, mais je suis certaine de ce que j'ai vu. Question pour Heather, quel est ton style vestimentaire à tes 16 ans? Es-tu plutôt bordélique ou chambre bien rangée? J'aime le style que je porte en ce moment, un peu grunge, des teintes un peu sombres. Ouais, en ce moment c'est ça que j'aime bien. Avant, ce n'était pas le cas, mais j'ai appris à aimer ce style. Peut-être qu'à l'avenir ça changera, après tout, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Pour ce qui est du rangement de ma chambre, on va dire que c'est du bordel organisé. Je lui demande régulièrement si elle peut faire un effort, mais... Moi je m'y retrouve, et quand ça bouge de place, je suis perdue, ok? J'avoue, j'ai le même souci. Question pour Heather, encore une fois. As-tu un autre passe-temps? Même si la lecture est le principal, bien sûr. Il existe d'autres activités que la lecture? Je plaisante. J'aime bien tester de nouvelles choses, et depuis mon entrée au lycée, je me suis mise à la guitare, pour le plus grand bonheur des oreilles de mes parents. C'est faux.
Je sais pas combien de temps ça va durer, d'autant que je suis pas très assidue, mais bon, voilà. Question pour Heather, toujours. Quel style de livre aimes-tu le plus? Oula, question compliquée. Pour être honnête, je lis de tout, mais j'ai une petite préférence pour tout ce qui touche à l'imaginaire. J'ai besoin de rêver, de m'évader dans mes lectures. Mais je ne dis pas non à un petit polar de temps en temps. J'aime essayer de résoudre l'enquête. Je trouve ça très satisfaisant quand je tape dans le mille. Et pour les autres styles, à petite dose, ça passe. Question pour les parents cette fois-ci. Quelles sont vos couleurs favorites? J'aime le beige et le rouge. Tous mes vêtements sont dans ces tons-là, d'ailleurs. Je sais, c'est pas original, mais des fois, je me dis que c'est plus fort que moi et que j'ai pas le choix. Étrange, hein? Je me dis la même chose régulièrement, c'est étrange. Mais pour répondre à la question, je dirais que le bleu est ma couleur favorite. Et si je devais donner une autre, le beige ou le gris? Ouais, pourquoi pas. Mais c'est comme la mode, c'est très changeant. À nouveau pour les parents, qui dans le style de décoration prend le plus le dessus? Ou alors c'est à part égale? À part égale? Non, pas vraiment. La plupart du temps, je propose des idées, mais c'est Lana qui valide ou non. Encore heureux, sinon on finirait dans une maison au mur vert pomme et jaune banane. C'est original? Oui, sur un dessin d'un enfant de 3 ans. Je le laisse mettre sa patte avec les bibelots, mais pour le plus gros de la déco, c'est hors de question. Et les soldats de Noël, en taille réelle, c'est dehors. On s'est fait déborder dans notre première maison. Il faut dire qu'à force de voyager, ça en fait des souvenirs. Ça, c'est sûr. De ce côté-là, notre périple actuel aide beaucoup, mais bizarrement, ça manque un peu. Bref, pour résumer, déco générale, c'est moi, et les petits objets, c'est lui. Question suivante? Question pour Nathan cette fois-ci. Avez-vous préféré un voyage ou une culture qui influencerait les souvenirs que vous préférez garder malgré les nombreux déménagements? J'ai adoré tous mes voyages, toutes ces découvertes, c'était formidable. Mais si je devais ne choisir qu'une destination, je dirais la Polynésie, les plages de sable fin, le bleu de l'eau et la culture, on se serait cru dans un rêve. Question pour les parents, à nouveau. La famille préfère-t-elle les maisons modernes ou le style ancien? Peu importe. Le plus important, c'est qu'on s'y sente bien. Si elles ont du caractère, c'est chouette aussi. Question pour les parents, toujours. La famille rêve-t-elle d'aller au Mexique? Oh oui, pourquoi pas, tiens. Si on pouvait faire l'impasse sur les destinations chaudes quelque temps, je dis pas non, personnellement. On continue avec une question pour les parents. Lors de vos futurs voyages, préférez-vous garder un côté authentique au pays dans l'intérieur de la maison? Tout l'intérêt de changer de pays, c'est de découvrir de nouveaux styles, donc je dirais oui. Je pense pareil. Voyager pour du courant, c'est comme dormir à l'hôtel, ça n'a pas grand intérêt. Et les souvenirs sont d'autant plus marquants, non? Question pour la famille cette fois-ci. Avez-vous des objets que vous gardez de manière récurrente à chacun de vos voyages? Nos vêtements? Pardon, c'est pas drôle. C'est pas évident de conserver juste un objet à chaque fois, d'autant que j'aime bien changer la décoration régulièrement, donc pour moi, non. Mes vernis à ongles? Mais bon, c'est un peu comme les vêtements, ça fait partie du look, donc pas vraiment lié au voyage. Ou alors, la photo qu'on avait fait au stage d'acrobranche à la fin de la fac? Oh ouais, c'était bien ce petit voyage. J'étais pas née à l'époque, donc je dirais que pour moi, ce serait la pierre de Calamburium que mes parents m'ont ramenée d'un de leurs voyages. Elle traîne toujours dans un coin de ma chambre. On finit avec une petite série de questions pour Heather. Tu préfères les grands lits ou les lits une place? Le moderne ou le classique pour ta chambre? Et le rose? Tu aimes le rose, à vous? Bonne question. Tant que je peux lire dessus et dormir, tous les lits me vont. J'ai un peu de mal avec les lits superposés, j'avoue, mais pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on va se poser tout de suite, donc je suis prête à le supporter pour 1 ou 2 ans. Je suis pas sûre de comprendre l'insistance de cette question, mais c'est pas grave. Le rose me va, mais il faut pas que ça soit la couleur dominante. Par petites touches, disons, une couverture de livre, un coussin ou un truc du même genre. Vous voyez ce que je veux dire? Merci pour vos réponses et peut-être à une autre fois pour une nouvelle série de questions. Voilà qui clôture cette petite vidéo. J'espère que ce qu'ils vous ont dit pourra vous aider pour cette étape et les prochaines à venir. Je relancerai une FAQ si vous trouvez que c'est nécessaire. En attendant, bon courage et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye !